comprends pas ça. Comment voir la langue maternelle? On a discuté ça. Ce qu'on comprend par la langue maternelle, dans ce sens-là, okay, parce qu'on a les langues maternelles. On a parlé de l'ouverture ou peut-être bébé au plusieurs phénomènes langagiers. Vous voyez, peut-être ici nous parlons de langue d'arabescan, mais ça donne. Vous connaissez votre élève, vous pouvez le décider. Ça change d'un endroit à l'autre. Et quand on parle les langues maternelles et l'enseignement du sol, nous devons comprendre l'importance des langues maternelles dans ce sens. En nous mettant en phase sur les langues maternelles pour notre cours du français du fleuve, vous voyez, un aspect que nous avons discuté au niveau phonologique, c'est très important. Il y a d'autres aspects aussi. Voyez, la langue parlée et on dit l'interférence, mais ce n'est pas toujours l'interférence, c'est une ouverture, je dis. Interférence, si on dit que voilà, c'est la seule façon pour laquelle il faut parler le français. C'est la façon standard de parler français. Ce n'est pas toujours possible. Personne ne pourra parler le français standard, sauf une communauté très petite, même en France.